Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Le temps est un peu bizarre aujourd'hui, c'est pas grave. J'ai la tête dans le cul, c'est normal, hein, j'ai dormi que 3 heures. Ouais. Bon alors, je suis arrivé où moi, à la page 205? L'hypostase des archontes. Bon, bah tu m'as expliqué ce que c'était, donc vas-y, mais de toute façon, mes livres, je les mets entièrement sur Internet, hein. C'est pour les personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter le livre. À qui ça intéresse, bon bah voilà, c'est tout, c'est juste un partage. Et puis de toute façon, tout ce que je le fais en conscience, de mon propre chef, hein, c'est moi qui décide, hein. Je fais ce que je veux. Je fais rien de mal, je ne fais que lire des écrits, hein. Maintenant, c'est aux gens de comprendre qu'est-ce qui est écrit dedans, évidemment, parce qu'il faut pas. Hein, faut pas tricoter dessus. On lit, il faut décoder et tout ça. Voilà. Je vais lire un tout petit peu seulement parce que l'autre il va peut-être arriver. Enfin, j'en sais rien. Ah, bah déjà là il y a une page. Bah, je vais bien voir de toute façon. Vas-y, j'y vais. L'hypostase des archontes, réalité des dirigeants. Dirigeants, voilà. Est un traité anonyme présentant l'interprétation ésotérique de la Genèse 1-6. En partie sous la forme d'un discours de révélation entre un ange et un interrogateur. Tandis que le traité illustre une large syncrétisme hellénistique. Les composants les plus évidents sont juifs, même si sous sa forme présente, l'hypostase des archontes affiche clairement des traits chrétiens et peut aussi être considérée comme une œuvre chrétienne. Sa perspective théologique est un gnosticisme vigoureux, peut-être d'affiliation sétienne. Sétienne, c'est-à-dire, on a bien compris. Sétienne, sept. Ça doit être ça, je sais pas. Enfin bref. J'ai tête dans le cul, donc je suis pas en position pour pouvoir réfléchir. Trop fatigué. On suppose généralement que l'hypostase des archontes, comme d'autres textes de Nag Hammadi, est une traduction du grec. La possibilité d'un jeu de mots copte dans les expressions « à part moi », Isaïe 46:9 et « aveugle », hypostase des archontes 86:30-94:22. Tout comme la description des dirigeants à tête d'animaux. Les dirigeants à tête d'animaux, c'était au temps de l'Égypte ancienne. Je rajoute ça, moi. Suggère qu'il vient peut-être d'Égypte. Bah oui, hein, c'est là-bas qu'il y avait les têtes d'animaux. Ils avaient une tête d'Anubis, une tête de Russe, une tête. Enfin bref, d'oiseau, de tout ce que tu veux bien. De pélicans, enfin je ne sais plus, hein. il y avait beaucoup de dieux en Égypte, donc je ne vais pas tous les citer. Hein. Voilà. Le document est provisoirement daté du 3e siècle, après Jésus-Christ. De toute évidence, il n'est pas postérieur au 4e siècle, date de la collection de Nag Hammadi. Mais la manière nettement gnostique de traiter le texte dans ce document, tout comme le traitement midrashique du texte scriptural, témoigne à l'encontre d'une date antérieure, excusez-moi. Oh la vache. J'ai du sommeil à rattraper, moi. Hein. Enfin, je crois pas qu'on puisse rattraper le temps perdu. ni le sommeil, non. De toute façon, le temps, ce n'est qu'une illusion. Hein. Ouais, voilà. Comme tout le reste. Bon, vas-y, hein. Ouais. L'illusion, ouais. C'est comme on nous fait croire qu'on est libre sur la terre alors qu'on est des esclaves. Ouais. Ah bah oui, c'est marrant. Excusez-moi, hein, je m'égare. En outre, l'orientation philosophique 96-11-14 a été identifiée comme typique de néoplatonisme du 3e siècle. La question de la date de la provenance sont rendues complexes par la possibilité que l'œuvre telle qu'elle est soit le résultat d'un éditeur chrétien ayant combiné une source narrative interprétant des parties de la Genèse avec un discours de révélation traitant de la sétériologie, de la sotériologie, pardon, et d'eschatologie, et les plaçant sous les deux dans un cadre chrétien. Ouais, bof. Papa, je dors debout. L'hypostase des archontes est certainement l'œuvre d'un professeur gnostique intruisant un auditoire tout en utilisant un texte antérieur. Il écrit dans une position d'autorité, même dans la révélation angélique, où un personnage est apparemment en train de parler. Dans le traité, l'auditoire est une
communauté chrétienne gnostique informée des textes des deux testaments et acceptant l'autorité de Paul. Ce sont de familiers des traditions littéraires juives, y compris apocalyptiques, une fonction traditionnelle de l'Apocalypse apportant du réconfort à une communauté inquiète et est ici opérationnelle. L'hypostase des archontes est aussi une œuvre ésotérique écrite pour une communauté gênée qui ressentait probablement la pression issue d'une communauté chrétienne qui se définissait comme orthodoxe et qui définissait les autres comme hérétique. Bah, de toute façon, à chaque fois qu'il y a plusieurs camps différents, il y a toujours un pour dire bah non, c'est pas lui qui a raison, c'est l'autre. Non, non, c'est eux les hérétiques. Les autres ils disent bah non, c'est eux. Et puis ça finit comment? En bain de sang. Eh, on se rappelle, hein, le temps du machin. Hein? Le temps du roi de je sais plus qui, là, vas-y. Les protestants contre les chrétiens, ah bah oui. Hein, les trucs du temps d'Henri IV et puis tout ça, et puis même avant, ouais. Vas-y, allez. Ah, ils n'ont fait du mal aux gens, ouais. Vas-y. Tout ça parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Sans compter qu'Henri IV, il était protestant et après il s'est mis catholique, ouais. Ouais, il s'est mis dans le camp qu'il l'arrangeait, quoi, après. Enfin bref. Ouais, vas-y, ouais. Je vais pas refaire l'histoire de France ni quoi qu'est-ce, hein. Bon. Il y a clairement certains rapports littéraires entre l'hypostase des archontes et de l'origine du monde qui suit ce traité dans la Codex 2. Les deux semblent provenir des sources communes. Le dernier mentionne un livre ou des livres de Noréa, 102, 11, 24, 25, auquel Épiphane renvoie également. Il a été suggéré que l'hypostase des archontes est à identifier avec cette source, mais sans preuve convaincante. Après une brève introduction citant le grand apôtre, Paul, l'hypostase des archontes, présente son récit mythologique, les principaux personnages du drame mythologique qui se déroule comprenant Samael, le dirigeant aveugle aussi appelé Sakla, ou fou. Ça veut dire fou, Sakla, d'accord? Et l'Aldaboat, oui, bah ça je connais l'Aldaboat. Qui blasphème contre le divin, la femme spirituelle qui réveille Adam et se montre plus maligne que les dirigeants rapaces, le serpent, l'instructeur qui conseille à l'homme et à la femme de manger le fruit défendu par les dirigeants, et Noréa, la fille d'Ève, une vierge au caractère pur et exalté dans la connaissance. À un moment donné du traité, le centre de préoccupation change quelque peu. Au centre de la scène se trouvent maintenant le grand ange et les lecs. Et les lettres, E-L-E-L-E-T-H, qui révèlent à Noréa l'origine et la destinée des puissances archontiques. Oh bon, vas-y. L'hypostase des archontes proclame comme son titre l'indique, la réalité des dirigeants archontiques. J'ai bien compris ce que c'était mon rabbi, tu m'as expliqué ce que c'était des archontes et puis que ça n'existait plus, ça évidemment. Que c'est pas du tout les trucs que comme les gens ils disent dans certaines de leurs vidéos. Ok, d'accord, il y en a beaucoup qui racontent des conneries aussi, vas-y. Seigneur, bon, vas-y. La réalité des dirigeants archontiques, loin d'être de simples puissances fictives et imaginaires, les archontes sont tout ce qu'il y a de réel. Ces dirigeants existent en fait, c'est une dure réalité par les chrétiens gnostiques qui définissent leur propre nature spirituelle par opposition à celle des autorités dirigeantes et asservissantes. Pourtant, tel que ce document le promet, les chrétiens gnostiques peuvent avoir de l'espoir car leur nature spirituelle durera plus longtemps. Ouais. Après, j'en suis où? Je dors debout, mais ça va le faire. Durera plus longtemps que les archontes et leur destinée céleste sera plus glorieuse. À la fin, les dirigeants périront et les gnostiques, les enfants de la lumière, connaîtront le Père et le loueront. On a bien compris, merci. «
Sur le récit de la réalité des autorités inspirées par l'Esprit du Père et la vérité, le grand apôtre, se référant aux autorités de l'obscurité, nous a dit que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, plutôt contre les autorités de l'univers et les esprits du mal. Je t'ai envoyé ceci parce que tu t'inquiétas de la réalité des autorités. Leur chef est aveugle. À cause de sa puissance et de son ignorance et de son arrogance, il a dit avec sa puissance, c'est moi qui suis Dieu. Bah oui, il avait de la prétention, il s'est pris pour Dieu. Beaucoup hein, de personnes qui avaient du pouvoir se sont pris pour des dieux. Hein. Ouais, enfin bref. Il n'y en a aucun à part moi. Lorsqu'il dit ceci, il pécha contre l'entièreté et ce discours monta à l'autre. À l'incorruptibilité, puis il y eut une voix qui provient de l'incorruptibilité disant « Tu te trompes, Samaël, lequel est le Dieu des aveugles. » Ses pensées devinrent aveugles, et ayant exalté sa puissance, c'est-à-dire le blasphème qu'il avait dit, il le poursuivit en bas dans le chaos et l'abîme. Sa mère, à l'instigation de Pistisophia, et elle est de Pistisophia, l'instigation de Pistisophia, et elle établit chacun de ses descendants selon leur puissance d'après le modèle des royaumes qui sont en haut. Car c'est en partant du monde invisible que fut inventé le monde visible. Pendant que l'incorruptibilité regardait en bas, dans la région des flots, son image apparut dans les eaux, et les autorités de l'obscurité devinrent amoureuses d'elle. Mais elles ne purent saisir cette image qui leur était apparue dans les eaux à cause de leur faiblesse. Puisque des êtres qui possèdent seulement une âme ne peuvent pas saisir ceux qui possèdent un esprit. Car ils venaient d'en bas tandis qu'ils venaient d'en haut. Voici la raison pour laquelle l'incorruptibilité regarda en bas dans la région, etc. C'est ce qui est marqué. Afin que par la volonté du Père, elle puisse amener l'entièreté à s'unir à la lumière. Les dirigeants établirent un plan et dirent « Venez, créons un homme qui sera fait du sol de la terre. » Ils modelèrent leur créature de sorte qu'elle soit entièrement terrestre. Or, les dirigeants, le corps, ils ont femelle et, il manque des mots, et le visage d'une bête, ils avaient pris du sol issu de la terre et modelé leur homme d'après les corps et d'après l'image de Dieu qui leur était apparue dans les eaux. Ils dirent, venez, saisissons-la au moyen de la forme que nous avons modelée, afin qu'elle puisse voir son homologue masculin. Désigne l'esprit précédemment évoqué. Sagesse, foi, sagesse. Archonte. Ouais, bah, ils ont fait des conneries. Ouais, des dirigeants qui avaient certains pouvoirs et puis qui ont fait les cons. Bon, vas-y, c'est bon. Et que nous puissions l'appréhender avec la forme que nous avons modelée, ne comprenant pas la force de Dieu à cause de leur impuissance, et il souffla dans son visage, et l'homme en vint à avoir une âme, et demeura à la surface du sol pendant de nombreux jours. Ça, je l'ai déjà lu, ça c'était dans le livre d'Enoch. Mais ils ne purent faire en sorte qu'ils se lèvent à cause de leur impuissance, comme la tempête qui souffle, ils persistèrent à souffler, afin qu'ils puissent capturer cette image qui leur était apparue dans les eaux. Et ils ne connaissaient pas l'identité de sa puissance. Or, tous ces événements eurent lieu par la volonté du Père de l'entièreté. Ensuite, l'Esprit vit l'homme doté d'une âme sur le sol, et l'Esprit sortit du royaume à la Mantin. Il descendit et vint demeurer en lui, et cet homme devint une âme vivante. Il lui donna le nom d'Adam, puisqu'il fut trouvé bougeant sur la surface, le sol. C'est marqué comme ça, la surface, le sol. Une voix provint de l'incorruptibilité pour aider Adam, et les dirigeants rassemblèrent tous les animaux de la terre et tous les oiseaux du ciel, et les amenèrent à Adam, pour voir comment Adam les appellerait, afin qu'ils puissent donner un nom à chacun des oiseaux et à toutes les bêtes. Ils prirent Adam et le mirent dans le jardin afin qu'il puisse le cultiver et le surveiller. Et les dirigeants émirent un ordre à son intention, disant « De chaque arbre du jardin, tu mangeras, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne mange pas, ne le touche pas non plus. » Même le toucher fallait pas.
car le jour où vous en mangerez de mort, vous allez mourir. Désigne la puissance de l'image. Lui désigne l'homme, c'est-à-dire l'esprit donna à l'homme le nom d'Adam, puisque l'homme, voilà, c'est les petits machins qui sont marqués devant chaque mot qu'il y a là, la définition en tout petit. J'en suis où ? 15. 112, page 112. Ceci, il ne comprenait pas ce qu'il lui avait dit. Au contraire, par la volonté du Père, ils dirent ceci de manière à ce qu'ils puissent enfin manger et afin qu'Adam ne puisse pas les regarder comme le ferait un homme de nature exclusivement matérielle. Les dirigeants prirent conseil les uns après des autres et dirent « Venez, allons faire qu'un profond sommeil s'abatte sur Adam. » Et il dormit. Or, le profond sommeil qu'ils firent s'abattre et dont il dormit est l'ignorance. Ils ouvrirent son côté semblable à une femme vivante et ils rehaussèrent son côté avec de la chair à la place d'elle. Et Adam en vint à être seulement doté d'une âme. Et la femme dotée d'un esprit vint vers lui et parla avec lui disant « Lève-toi, Adam !» Et quand il la vit, il dit « C'est toi qui m'as donné la vie, tu seras appelée la mère des vivants, car c'est elle qui est ma mère, c'est elle qui est le médecin et la femme, et c'est celle qui a accouché. » Alors les autorités s'approchèrent de leur Adam, et quand elles virent son homologue féminin qui parlait avec lui, elles se mirent dans tout leur état avec beaucoup d'émoi, et elles s'expriment d'elles. Ouais, ils sont tombés amoureuses d'elles, quoi, vas-y. Elles dirent les uns aux autres, venez semons notre semence en elle, et elles la poursuivirent. Et elle se moqua de leur stupidité et de leur aveuglement, et dans leurs griffes, elle devint un arbre. Et elle laissa devant eux son vague reflet qui lui ressemblait, et elles le souillèrent ignoblement. Et, oh punaise, je suis tellement fatiguée que je... Et elle laissa devant son image reflet qui lui ressemblait, et elles le souillèrent ignoblement. Et elles souillèrent le timbre de sa voix, de sorte que par la forme qu'elles avaient modelée ensemble avec leur propre image, elles se rendirent paisibles de condamnation. Son côté désigne le côté d'Adam, et elle désigne la femme. Ok. Alors le principe spirituel vint dans le serpent, l'instructeur, et il leur enseigna en disant « Que vous a-t-il dit ?» Était-ce que de chaque arbre dans le jardin tu mangeras, mais de l'arbre, de la connaissance du mal et du bien, ne mange pas. La femme charnelle dit, non seulement il y a dit, n'en mange pas, mais aussi n'y touche pas. Le jour où vous en mangerez, de mort vous allez mourir. Et le serpent, l'instructeur, dit, de mort vous ne mourrez pas, car c'est par jalousie qu'il vous a dit ceci. Au contraire, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux reconnaissants le mal et le bien. Et le principe instructeur féminin fut enlevé du serpent et elle le laissa derrière elle, ne laissant qu'une chose de la terre. Et la femme charnelle prit de l'arbre et mangea, et elle en donna à son mari tout comme à elle-même. Et ces êtres qui possédaient seulement une âme mangèrent. Et dans leur manque de connaissance, leur imperfection devint apparente. Et ils reconnurent qu'ils étaient dénudés de l'élément spirituel. Et ils prirent des feuilles de figuier, et les attachèrent à leurs reins. Alors le dirigeant en chef arriva, et il dit « Adam, où es-tu ?» Car il ne comprenait pas ce qui s'était passé. Et Adam dit « J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur, parce que j'étais nu et je me suis caché. » Je l'ai pas déjà fait, ça. Ouais, ça se pourrait bien, mais dans un... Il y a plusieurs machins. Enfin, ouais, c'était dans Enoch. Ou alors j'ai déjà lu celui-là. Ouais, enfin, c'est pas grave. Le dirigeant dit, pourquoi t'es-tu caché, à moins que ce ne soit parce que tu as mangé du seul arbre auquel je t'ai ordonné ne pas manger. Et as-tu mangé ? Adam dit, la femme que tu m'as donnée, elle m'en a donné, et j'ai mangé. Et l'arrogant... Dit Rigeant, maudit la femme. La femme dit, c'est le serpent qui m'a détourné du droit chemin et j'ai mangé. Ils se tournèrent vers le serpent et maudirent son vague reflet. Impuissant, ne comprenant pas que c'était une forme qu'il avait eue, mais
qu'ils avaient eux-mêmes modelé, depuis ce jour, le serpent fut tout un coup de la malédiction des autorités jusqu'à ce que vienne l'homme tout-puissant. Cette malédiction s'est abattue sur le serpent. Ils se tournèrent vers leur Adam, ils le prirent et l'expulsèrent du jardin avec sa femme, car ils n'avaient aucune bénédiction puisqu'ils sont eux aussi sous la malédiction. De plus, ils plongèrent l'humanité dans un grand affolement et dans une vie de labeur, afin que leur homme soit occupé par les affaires de ce monde et ne puisse avoir l'opportunité de se dévouer au Saint-Esprit. Or, après, elle donna naissance à Caïn, leur fils, et Caïn cultiva la terre. Sur ce, il connut sa femme. À nouveau, enceinte, elle donna naissance à Abel. Abel était un berger. Or, Caïn rentra la moisson de son champ, mais Abel rapporta une offrande issue de ses agneaux. Dieu considéra les offrandes votives d'Abel, mais il n'accepta pas les offrandes votives de Caïn. Et Caïn, le charnel, poursuivit son frère Abel. Et Dieu dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit en disant, « Suis-je donc le gardien de mon frère ?» Qu'est-ce qu'ils ont marqué derrière là pour désigner le principe précédemment évoqué, pluriel, pluriel, de même pour les emplois. Ouais, bon, on s'en fout. Il répondit, « Suis-je donc le gardien de mon frère ?» Dieu dit à Caïn, « Écoute, la voix du sang de ton frère s'écrie vers moi. Tu as péché par ta bouche. Ce qui retournera à toi, quiconque tuera Caïn, déchaînera cette vengeance et tu existeras en gémissant et en tremblant sur la surface de la terre. » Et Adam connut Ève, son homologue féminin, et elle tomba enceinte et donna naissance à Seth, à Adam. Et elle dit, j'ai donné naissance à un autre homme à travers Dieu à la place d'Abel. Ève tomba à nouveau enceinte et elle donna naissance à Noréa. Et elle dit, il m'a engendré une vierge comme aide pour les nombreuses générations de l'humanité. Elle est la vierge que les forces n'ont pas souillée. Alors l'humanité commença à se multiplier et à progresser. Les dirigeants prirent conseil les uns auprès des autres et dirent, venez, allons provoquer un déluge à nos mains et annihiler toute chair de l'homme jusqu'à la bête. Mais comme le dirigeant des forces en vint à connaître leur décision, il dit à Noé, fabrique-toi une arche avec du bois qui ne pourrit pas et cache-toi dedans, toi et tes enfants et les bêtes et les oiseaux du ciel, de plus petits au plus grand, et installe-la sur la montagne Cyr. La montagne Cyr. Alors Noréa vint vers lui en voulant montrer à bord de la en voulant monter. Alors Noréa vint vers lui en voulant monter à bord de l'arche. Et quand il ne lui permit pas, elle souffla sur l'arche et la fit brûler par le feu. À nouveau, il fabriqua l'arche pour une seconde fois. Les dirigeants allèrent à sa rencontre en ayant l'intention de la détourner du droit chemin. Leur chef suprême lui dit, ta mère Ève est venue vers nous. Se désigne en fait la bouche, c'est-à-dire les paroles, le péché de Caïn, c'est-à-dire qu'elle donna naissance à Seth tout en dormant, un fils à Adam, deux sans possible croître, augmenter ou s'améliorer. Bon, le dirigeant allèrent à sa rencontre en ayant l'intention de la détourner du droit chemin. Leur chef suprême lui dit, ta mère Ève est venue vers nous. Ouais, puis après je vais arrêter. Hein. Mais Noréa se tourna vers eux et leur dit, c'est vous qui êtes les dirigeants de l'obscurité, vous êtes maudits et vous n'avez pas connu ma mère, mais c'est plutôt votre homologue féminin que vous avez connu. Car je ne suis pas votre descendante, mais c'est du monde d'en haut que je proviens. Le dirigeant arrogant se tourna de toutes ses forces et son expression devint un noir. Il lui dit avec arrogance, « Tu dois nous rendre service comme l'a fait aussi ta mère Ève, car elle m'a été donnée. » Mais Noréa se tourna vers la force de... Et d'une voix forte, elle s'écria vers le haut en direction du Saint, du Dieu, de l'entièreté. Sauve-moi des dirigeants de l'injustice et sauve-moi de leurs griffes sur le champ.
Le grand ange descendit des cieux et lui dit, « Pourquoi t'écris-tu en haut vers Dieu ? Pourquoi agis-tu si audacieusement envers le Saint-Esprit ? » Noréa dit, « Qui es-tu ? » Les dirigeants de l'injustice s'étaient retirés d'elle. Il dit, « C'est moi qui suis Elélet. » La sagacité, le grand ange qui se tient debout en présence du Saint-Esprit. J'ai été envoyé pour parler avec toi et pour te sauver de l'étreinte de ceux qui sont sans loi, et je t'enseignerai au sujet de ta racine. Quant à cet ange, je ne peux pas parler de sa puissance. Son apparence est comme l'or fin et ses atouts sont comme la neige. Non, en vérité, ma bouche ne supporte pas de parler de sa puissance et de l'apparence de son visage. Et les lettres, le grand ange me parla. C'est moi, dit-il, qui suis la compréhension. Je suis l'un des quatre donneurs de lumière qui se tiennent debout en présence du grand esprit invisible. Pensez-vous que ces dirigeants aient un pouvoir sur toi ? Aucun d'entre eux ne peut l'emporter contre la racine de la vérité, car à cause d'elle, il est apparu dans les derniers temps, et ses autorités seront maîtrisées, et ses autorités ne peuvent pas vous souiller, ni vous, ni cette génération, car votre demeure est dans l'incorruptibilité, là où demeure l'esprit vierge, qui est supérieur aux autorités du chaos et à leur univers. » Mais je dis, Seigneur, enseigne-moi sur la faculté de ces autorités. Comment elles sont venues à l'existence et par quel genre de genèse ? Et de quelle matière et quel genre de genèse ? Quelle matière et qui les a créées est leur, elle et leur force ? Et le grand ange et les lettres ? La compréhension me parla à l'intérieur des royaumes illimités demeurant la corruptibilité. Sophia est appelée Pisti, voulut créer quelque chose seule, sans son conjoint, et son produit fut une chose céleste. Un voile existe entre le monde d'en haut et les royaumes d'en bas, et l'ombre vint à l'existence en dessous du voile, et cette ombre devint matière, et cette ombre fut projetée à l'écart, et ce qu'elle avait créé devint un produit dans la matière semblable à un fœtus avorté, et il prit une forme plastique façonnée d'après l'ombre, et il devint une bête arrogante ressemblant à un lion. Il était androgyne, comme je l'ai déjà dit, parce qu'il était issu de la matière dont il provenait. Ouvrant ses yeux, il vit une vaste quantité de matière sans limite et il devint arrogant en disant « C'est moi qui suis Dieu. Et il n'y en a pas d'autre à part moi. » Appelé aussi luminaire, dictionnaire des anges, ben je l'ai, désigne Pisti Sophia, désigne ce que Pisti Sophia a créé. Ouais, la grosse connerie. Bon, ben j'arrête là. Quand il dit ceci, elle pécha contre l'entièreté et une voix provient du haut du royaume du pouvoir absolu, disant « Tu te trompes, Samael, qui est le dieu des aveugles. » Bon, ben j'arrête là. Je sais pas si elle va passer, je recommencerai, c'est pas grave.